Et il paraîtrait qu'il aurait passé une nuit dans le sarcophage de la grande pyramide. Dans le sarcophage de la grande. Ouais. Bon, j'étais pas là pour le voir, mais c'est. Enfin, moi, j'aurais été à sa place, je l'aurais fait. Donc, j'imagine. Oui, parce que cette expédition française d'Égypte, elle est autant scientifique que militaire, quoi. Ah oui. Il emmène avec lui Ah des scientifiques, oui. On n'a jamais vu etc. une expédition scientifique comme ça avant Oui, lui. avant lui, voilà. Alors, il y avait une raison de faire ça quand même. On dit que c'est ce qui lance même l'égyptologie, Mais bien Goya. sûr. Et c'est lui qui a créé le Louvre en revenant. Oui. Avec tout ce qu'il avait pu ramener portant sur l'égyptologie. Le Louvre, c'est le centre. Enfin, les Anglais ont bien fait aussi, mais je veux dire que tout ça, c'est pas des hasards. Non, parce que c'est quand même assez incroyable. Et en plus, alors, pour revenir à ce du Guesclin, là, parce que on parlait tout à l'heure de Roselyne, donc qui serait Oui, le méridien de le Paris. méridien de Mais. Paris. Et or, il y a cette fameuse chapelle de Roselyne aussi qu'on trouve en Écosse, qui est montrée comme étant héritière des Templiers. Enfin, les Templiers, ce serait une partie, ce serait enfuie en Oui, qui a été Écosse. construit par la famille La Sinclair. fameuse famille Sinclair, qui est en plus famille, alors, dite héritière des Templiers, mais on le sait aujourd'hui, les Sinclair ont été pendant très longtemps pareil, les grands maîtres de la loge d'Écosse, en Oui. franc-maçonnerie. Oui. Et je vais peut-être vous étonner, mais si on regarde, voilà, liste des grands maîtres qu'on appelait Nautonniers de Sion à partir de la séparation de Gisors. Il y en a Jean de Gisors et ensuite. Marie de Saint-Clair. Non. Jean de Saint-Clair, effectivement. Ils apparaissent dès le début. Dès le début. Donc, oui, moi, pour moi, cette fameuse chapelle écossaise, bah, c'est à l'évidence un lieu qui a été voulu par les Templiers et probablement par l'ordre de Sion, oui, c'est sûr. Alors, pour quoi faire? Pour y cacher quoi s'il y a lieu si... Bon, alors après, il y a Dan Brown qui Ah dit. oui, il y a de la spéculation. Voilà, Il y a voilà. le livre, la clé Mais. d'Iran, qui en parle aussi, qui dit que bon, Oui. il a essayé de faire des recherches et le jour où ils sont arrivés pour faire les travaux, tout le monde avait accepté. Il y a un ordre du ministère qui est tombé. Non, Ah vous ne pouvez pas oui. faire de travaux Bah oui, là-dedans. bah oui, Enfin, non, il voulait voilà. un peu sonder le sol Oui. parce que semble-t-il qu'il y a Ouais. Non, mais il y a des il y tas a de quelque choses comme chose sous ça le qui sont sol. Mais bon, très. Qui sont très curieuses. Alors, est-ce qu'on est vraiment des parano, des conspirationnistes? Est-ce qu'on voit des complots partout? Je crois pas. Je crois qu'il y a des complots. Et simplement, bah, si on en parle, on est on est malheureux. malvenu. Ça n'empêche pas de chercher, hein? Ben voilà, Arcadie, alors tout de suite, évidemment, on nous a parlé du fameux tableau de Poussin, les bergers Oui, d'Arcadie. Ah ben bah ça. oui. Alors tout de suite, on me dit, est-ce qu'il y a un rapport, évidemment? Mais bien sûr, il y a un rapport. Bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est une question d'interprétation. On nous a présenté Jeanne comme une bergère. Bon, évidemment, ce n'est pas une bergère. C'est, selon moi, clairement, une princesse, je dirais, adultérine, puisque c'est la fille de la reine et du frère du Du roi. frère du roi. Voilà, ok. Et pourquoi on l'appelait Pucelle d'Orléans? Bah parce que c'était la fille d'Orléans, du duc d'Orléans, tout simplement. C'était son nom. Non, faut pas aller chercher plus loin. On l'appelait déjà comme ça avant qu'elle vienne délivrer la ville. Et à ce compte-là, d'ailleurs, il y a un élément qui a été retrouvé plus tard, qui serait quand elle descend de Domrémy, elle va aux couleurs et elle vient à Chinon. Le dauphin, qui n'est pas encore roi, c'est pas trop. Qui c'est cette fille?
Il n'était pas encore trop au courant, lui. Il y en avait qui savaient, notamment Yolande d'Aragon. Yolande d'Aragon, voilà. Ils étaient bien tout à fait au point, et c'est même eux qui ont dû susciter la chose. Parce qu'il faut bien expliquer le rapport aussi à Don Rémy, quand elle va là-bas. Le seigneur, lui, il a un rapport avec justement Yolande d'Aragon. Oui, à vos couleurs. Voilà. Oui, c'est son... C'est son... Comment on appelle ça son obligé, quoi. Oui. C'est... Oui. Voilà. Oui, vous parlez de Baudricourt. Baudricourt. Voilà, oui. Effectivement, c'est un homme de... Il y a un peu du sérail, on va dire, de cette famille-là. Oui. Enfin, il est lié à ça. Tout à fait. Et c'est le même qui va d'ailleurs accorder au soi-disant père de, entre guillemets, de Jeanne d'Arc, Jacques d'Arc, à partir de 1420, le bail de location d'une forteresse qui existait à l'époque à Don Rémy. Ça veut dire qu'à partir de 1420, on ne verra plus la gamine dans les rues. Elle va apprendre tout ce qu'elle a à apprendre à l'intérieur des murs d'une grande forteresse. Pas mal pour une bergère. C'est bien pour une bergère, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire que c'est une bergère? Ben, je ne sais pas. Peut-être que les bergers d'Arcadie, c'est peut-être pas tout à fait des bergers non plus. En fait, c'est quoi des bergers? C'est des gardiens. C'est des gardiens. Alors, des gardiens de quoi? Ben, ça peut être des gardiens de troupeaux, des gardiens de secrets, des gardiens de... on ne sait pas. Et si en plus c'est des gens qui gardent un secret relatif à Arcas, au roi d'Arcadie. Au roi d'Arcadie, oui. C'est-à-dire l'origine supposée d'une race, je dirais, qu'on retrouve par ailleurs dans les étoiles, ça peut être tout à fait intéressant de rapporter ça à la fameuse lignée de Jésus. Parce que, là, il y en a qui vont sauter en l'air, mais... Ah. Oui, non, mais évidemment. Allons-y. C'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que... d'ailleurs, il y a des découvertes très récentes qui vont tout à fait dans ce sens-là, à savoir que Jésus ne serait pas du tout... d'origine, d'ethnie juive. Mais. Ça vient à l'antisémitisme, là, c'est direct. Non, ça n'a rien à voir. Parce que ça n'a rien à voir. Parce que les sémites, c'est aussi bien des Arabes que des Juifs. Des Arabes que des Juifs, d'une part. Et puis en plus, il y a même des Juifs qui ne sont pas sémites, qui sont... Les Ashkenaz, par exemple, voilà. Donc, c'est très compliqué tout ça. Donc, admettons qu'on appelle Juifs tous les gens qui pratiquent la religion judaïque. D'accord? Bon, Jésus, il est tombé là-dedans, lui aussi, étant petit. Donc, il l'a pratiqué, certainement. On l'a élevé. Mais... Il faut quand même bien noter qu'il est né en Galilée, ouais. Et pas en Judée. Judée, c'est le pays des Juifs. Galilée, c'est Gaïl, le pays des étrangers. Et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir là comme étranger? La Bible elle-même nous dit qu'il y avait des Gaulonites. Des Gaulonites, c'est des descendants des Gaulois. Ah oui, mais... Les Gaulonites. Oui, des Gaulonites. Oui. Et en fait, depuis 2-3 siècles avant, ils étaient arrivés probablement avec Alexandre le Grand, il y avait des Galates. Les Galates, c'est pareil, c'est des Gaulois. Comme les gens qui habitent dans la Galice. Où... Tout ça, c'est le même terme. L'étymologie est bougrement intéressante. Et... si on fait un peu attention à la seule généalogie qui est donnée dans les évangiles concernant la filiation de Jésus,
Il est censé remonter à David, mais par Joseph. Il y a un problème quand même. Parce que Joseph, le pauvre vieux, il est pour rien. Oui, oui. Eh oui. Une contradiction. Ah ben oui. Une contradiction. Or, c'est la seule généalogie qu'il nous a donnée. Ce qui serait intéressant de savoir, parce qu'en plus, logiquement, si on suit la tradition, on est juif par sa mère. Par sa mère, oui. Pas par son père. Oui, tout à fait. Or, la généalogie de Marie n'est pas donnée. On sait juste que sa mère s'appelait Anna. Donc, Et quand on lit dans les évangiles que Jésus était toujours fourré à Béthanie, Beth, ça veut dire maison. Maison, oui. Annie, c'est Annie, Anna, c'est la maison d'Anna. La maison d'Anna. C'est la maison de la grand-mère. C'est tout simplement. Tout simplement. Comme toutes les familles de France se réunissent le dimanche. C'est oui, voilà. Bon, c'est un. Enfin, c'est. Bon, bah, là, on a le cœur qui palpite. On va faire une petite pause, justement. Tu sais, c'est comme dans les grandes chaînes, c'est au moment du suspense incroyable, c'est là que ça coupe. Et bien justement, comme ça, vous restez connectés. On fait la petite pause, on revient juste après. La régie, elle est prête, j'imagine ? Ouais, évidemment. Voilà, bon, bah, on fait la petite pause et on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Jacques Minier, toujours la saison 2, toujours sur les dessous de la pucelle, Jeanne d'Arc. Alors, il y en a qui sont un peu perdus, pour résumer. C'est vrai qu'on a fait des allers-retours, on est parti. On a voyagé, voilà, et dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est pas forcément, c'est vrai. Vous allez voir qu'à la fin, toutes ces petites tâches finissent par se rassembler et former un ensemble, un tableau cohérent. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire. Moi-même, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai été surpris. Parce qu'il y a des choses. On parlait là pendant l'entracte, enfin, pendant la pause, je dirais, on parlait de Sainte Marie de la Mer. Sainte Marie de la Mer. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est une belle légende. La Sainte Famille serait venue là, apportée par un bateau sans rale ni voile, et aurait débarqué en Languedoc à cet endroit qui ne s'appelait pas encore comme ça, bien sûr, puisque à l'époque, c'était encore qu'un oppidum, c'est-à-dire une espèce de petite forteresse en terrassement, où existait toutefois un temple dédié à Ra, qui est quand même le dieu solaire égyptien. Et comme par hasard, parmi les trois maris qui vont débarquer, on va trouver une Sarah qu'on appellera la Sarah l'Égyptienne, et qui fait l'objet d'un culte pour tous les gitans. Les gitans, tout à fait. Voilà. La fameuse Vierge Noire. Bon. C'est une Vierge Noire, c'est clair. Or, c'est quoi une Vierge Noire? C'est rien que la continuation du culte d'Isis. Et qu'est-ce qu'il y a de plus normal que finalement la continuation du culte d'Isis sur un endroit où il y avait un temple à Ra. Voilà. Bon. À partir des croisades, on va voir émerger partout en France, on va trouver des statuettes dans la rivière, dans un champ, etc. Et toutes ces statuettes sont ce qu'on appelle des vierges noires. Pourquoi ? Parce que elles sont généralement en bois et que le bois qui a séjourné un certain temps dans l'eau ou dans la terre a noirci. Mais au sens symbolique, ces vierges noires sont ni plus ni moins qu'une résurgence de l'ancienne, de la très ancienne déesse, je dirais l'entité féminine, c'est-à-dire plus ou moins le culte à la terre-mère. Et c'est assez étrange qu'on voit, entre le XIIe et le XIVe siècle, on voit surgir partout comme ça des vierges noires qui vont faire l'objet de cultes dans des églises, des chapelles, etc., qui sont toutes templières et qui seront toutes dédiées à Notre-Dame de quelque chose. De quel endroit, de telle chose, Notre-Dame de machin, de...
Voilà. Il y en a des milliers en France, des Notre-Dame 2. Oui, oui, oui. C'est ça, et toutes sont de cette époque-là. Et toutes ont cette même légende à la source. C'est pas moi qui l'invente. Il suffit de lire l'histoire. On ne voit ce Vierge Noire apparaître que dans la période templière et avec, je dirais, un petit coup de pouce même de Saint Bernard, qui est celui qui a quand même mis l'ordre du Temple sur les rails, et qui, dans son... Je n'ai pas le terme précis, mais son discours, je dirais, d'inauguration, dit textuellement « Bien a œuvré Dame Dieu ». Il ne parle pas de Jésus, il ne parle pas de Dieu le Père, il dit « Dame Dieu ». Ça veut dire que, depuis leur origine, les Templiers sont sous l'égide de Notre-Dame. Mais Notre-Dame, de quoi ? Alors l'Église dit « Ah ben Notre-Dame, c'est Marie la Grande ». C'est Marie, oui. Ah oui ? Oui, peut-être. Mais on ne nous a pas communiqué les mensurations de ces dames, n'est-ce pas ? Donc alors, est-ce que c'est Marie la Grande, Marie la Mère, ou est-ce que cette Marie la Grande est Marie-Madeleine, par exemple ? Or, Marie-Madeleine, on la retrouve à beaucoup d'endroits aussi. Quand c'est pas Notre-Dame 2, c'est Marie-Madeleine. Et je vais sans doute choquer un certain nombre de gens, quoi. Ceux qui ont lu Dan Brown sont déjà au courant. Marie-Madeleine, à mon avis, était bel et bien la compagne de Jésus. Et c'est cette Marie-Madeleine, entre autres, qui est arrivée au Sainte-Marie de la Mer. Sainte-Marie de la Mer, et qui voilà. Débarque avec, semble-t-il, un enfant. Et qui débarque avec au moins un enfant. Au moins un enfant. Peut-être, certains et disent... Peut-être oui. Enceinte, c'est ce qu'on dit aussi. Certains disent un deuxième, mais enfin bon. En tout cas, cette histoire de Sainte-Marie de la Mer conduit à une hypothèse, j'allais dire, je vais peut-être un peu vite en disant une conclusion, mais... C'est l'hypothèse que Jésus a eu une lignée, et cette lignée, on la retrouve quelque temps plus tard avec le mariage de Clovis et Clotilde. Clotilde, Clovis, qui était un roi franc, les francs, on pourrait là aussi se pencher un peu, parce que... ce sont très probablement des gens qui nous viennent du Moyen-Orient. Au fil des siècles, ils sont passés, ils sont remontés par les Germanies, etc. Ils nous seront redescendus par ce qui est aujourd'hui la Belgique. Mais avant d'en arriver là, ils venaient très probablement du Moyen-Orient. Ces fameux Gugolonites, là, non ? Des descendants, je sais pas. J'en veux pour preuve, je dirais, en tout cas pour une indice, le petit discours que fait Saint Rémy de Reims, au moment du baptême de Clovis, il lui a dit « Courbe la tête, fier sicambre ». Et les sicambres, effectivement, c'est l'ancien nom des Francs, et c'est un peuple qui venait du Moyen-Orient. Bon. En tout cas, on ne sait pas trop, je ne m'avancerai pas trop dans ce domaine-là, mais ce cher Clovis a éprouvé le besoin de répudier sa femme. Il avait une femme déjà avec un fils, qui était d'origine rhénane, donc qui avait une religion un peu, je dirais, païenne, celle des Germains. Donc il a répudié cette femme-là pour épouser ce qu'on nous présente comme une princesse chrétienne, entre guillemets, comme si le fait d'être princesse chrétienne était intrinsèque à sa personne. Est-ce que c'est... est-ce qu'on est chrétien par nature ou est-ce qu'on est chrétien par adoption ? Tout le problème est là. Et si effectivement, ce que beaucoup de gens supposent, et moi le premier, si Clotilde était princesse chrétienne, c'est-à-dire au sens de descendante du Christ, ça change
tout le reste de l'histoire. Parce que, tenez-vous bien, ce qu'il y a d'amusant à propos de Jeanne d'Arc, à peu près 800 ans plus tard, c'est que si on tient compte du fait que Jeanne n'est pas du tout la fille de Isabelle Romée et Jacques d'Arc, mais la fille cachée d'Isabelle, d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans, le frère du roi, eh bien, par les deux branches, on remonte directement à Clovis et Clotilde. C'est hallucinant. C'est extraordinaire, ouais. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, y compris par sa mère ou par son père. Quoi, par les deux bords. Bon, il faut dire que c'était pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Il y avait plein de nobles qui avaient un peu des cousinages directs avec la famille mérovingienne depuis les siècles précédents. Mais c'est quand même assez étonnant que cette soi-disant bergère représente à ce point-là une lignée. Parce que si elle est effectivement la fille de Louis d'Orléans et Isabeau de Bavière, et que par ces deux branches, elle remonte à Clovis et Clotilde, ben on peut dire qu'elle remonte carrément. Elle fait partie de la lignée Jésus, c'est sa descendante. Et dans ce cas-là, on peut comprendre pourquoi l'Église y a tellement mis d'attachement à vouloir gommer le personnage sans pour autant l'éliminer complètement. Pourquoi je dis pourquoi sans pour autant l'éliminer ? Parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui convaincus que Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée. Ah oui, alors ça c'est... Ah oui, voilà. Non mais... oui, voilà. La vraie, non. Voilà. Rentrons dans le la vraie... Jeanne d'Arc, elle n'a pas été brûlée, son procès, il se passe des choses bizarres. Il se passe que des choses absolument étonnantes, et toutes les questions qui lui sont posées par l'évêque de Beauvais, Cochon. Oui. Et sont ambiguës, elle répond elle-même, bon, elle répond ce qu'elle veut, quand elle veut. Et puis ses réponses sont toujours interprétables d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, on comprend ce qu'on a envie de comprendre. Si vous relisez les minutes du procès, enfin celles qui sont encore disponibles, parce que le premier procès, malheureusement, évidemment, il n'y en a plus. Alors on a donc, pour juger de la chose, que les retraductions en français des copies latines du procès fait en France, fait en français à Rouen. Mais ces minutes-là ont disparu. Donc on n'a que les copies en latin qui ont été retraduites en français. Par qui ? Ben évidemment par des clercs. Hein. c'est-à-dire par des gens... par des gens bon, je ne vais pas mettre en doute leur bonne foi, mais... Il y en a qui oui. Mais c'est quand même... c'est quand même légèrement suspect, quoi. Bon, alors... bon, moi, selon moi, et en tout cas, selon un certain nombre de gens, Jeanne n'a pas été brûlée à Rouen. On en a brûlé une autre à sa place, c'est quasiment certain. Et elle a été exfiltrée. D'ailleurs, on a retrouvé, il n'y a pas très longtemps... le souterrain par lequel ça a pu se passer, depuis la cour du château de Bouvreuil, durant la dernière guerre, des Allemands ont profité de ce souterrain pour se sauver. Ben, voilà, très probablement, Jeanne d'Arc a fait la même chose, enfin, on l'a aidé à faire la même chose à l'époque. Il fallait que le personnage de la pièce disparaisse, donc on a fait brûler quelqu'un. Mais il fallait, si elle est bien qui je crois qu'elle est, il ne fallait pas toucher un cheveu de la personne elle-même, parce que cette personne-là, elle est sacrée. C'est la descendante du Christ. Le Christ, oui. Et elle fait partie de ce qu'on appelle le sang réel, le Saint Graal. Le sang royal, c'est ça qu'on doit comprendre. Sang royal, sang réel.
C'est le vieux mot, c'était, qui existe toujours en espagnol, par exemple. Sang real, c'est le sang Graal. Et donc, on ne touche pas à ça. Même les Anglais n'y touchent pas. C'est impensable. Donc, on l'a écarté de la scène, mais en lui disant, voilà, reste tranquille dans ton coin, le reste c'est de la politique, c'est plus ton problème. Voilà. D'où les aussi, alors, je viens de dire, parce qu'après sa mort, on a les témoignages, elle revient à Orléans. Elle revient. Et les gens à Orléans, alors, la fête, etc. On a les, on absolument. Sait, donc après, c'est quoi? Elle a disparu pendant 4 ans, en fait. Elle était censée être morte, effectivement, on n'a pas entendu parler d'elle pendant 4 ans. Pourquoi? Ben parce qu'elle a été emmenée par un gars qui s'appelait... vous trouverez le nom là-dedans, hein, dans le bouquin, je l'ai encore... Il faudrait que je prenne des petites pilules, je ne sais pas. je perds un peu la mémoire. Qui était... C'est Jean de... Oui, je crois. Jean de Menton. Qui était le chambellan du duc de Savoie. Et ce Jean de Menton a donc escorté Jeanne depuis Rouen, où il a été exfiltré par le fameux souterrain, depuis Rouen jusqu'en Savoie, qui à l'époque n'était pas la France. Oui. D'accord ? Bien précisé. Et ça dépendait du duc de Savoie. Le duc de Savoie, qui c'était, je crois, Amédée VIII, était donc souverain chez lui, et il disposait d'un château à côté d'Annecy qui s'appelle Montrottier. Le château de Montrottier, on peut toujours le visiter aujourd'hui, et on vous fera les honneurs de la chambre de la Pucelle. Alors, on parlait des dessous de la Pucelle, bon, c'est vide, il n'y a pas ses vêtements, hein, mais... non, mais c'est étonnant, quand même, dans cette chambre, et voilà. Puis, il y avait cette femme qui a vécu, en plus, voilà, la propriétaire des lieux, à la même époque où Jeanne d'Arc était prétendue morte, oui. Mais en tout cas, voilà. Pas très loin de sa prétendue mort, de la date de sa prétendue mort. Voilà. Et donc, ce château appartenait à Amédée VIII de Savoie, et était géré par Jean de Menton, celui qui l'a raccompagné jusque-là, et qui a été son hôte pendant à peu près 4 ans. Et au bout de 4 ans, il y a un certain nombre de soldats qui se pointent. Moi, je pense qu'a priori, c'était un groupe de Templiers, parce qu'ils étaient commandés par un nommé Blanchefort. Et sur ordre de Xaintrailles. Xaintrailles, c'est un des héros du siège d'Orléans. Blanchefort aussi, mais enfin, il y en a plein d'autres. Il y a même un Kennedy. C'est incroyable. Il y avait aussi un De Gaulle, d'ailleurs. mais on est en plein... C'est hallucinant. Oui, Kennedy et De Gaulle. Oui, ça, oui, c'est oui, très, oui, très oui, important. On verra oui, après. Oui. Oui. Et donc, ce monsieur Blanchefort se pointe, ce chevalier de Blanchefort se pointe avec une petite troupe au château de Montrottier, en Savoie, et il demande la prisonnière, qui était plus une hôte qu'une prisonnière, et il l'emmène, et il l'escorte jusqu'au Luxembourg, enfin jusqu'à Arlon. Normalement, elle est en dehors de la juridiction française, elle n'a pas... Je veux dire, on a toujours plus entendu parler d'elle depuis qu'elle est censée être morte sur le bûcher. Et puis, bon, là, elle vit... C'est une jeune femme qui a probablement dans les 25, 28 ans, 27 ans. Il s'est passé que 4 ans, mais selon notre calcul, elle avait bien plus que 17 ans quand elle est livrée à Orléans. Elle en avait déjà au moins 21, 22, puisqu'elle est née 5 ans avant sa soi-disant date officielle de 1412. Elle serait née en 1407, et c'est ce qui lui permet effectivement d'avoir eu le temps d'apprendre plein de choses, y compris le maniement des armes et tout ça. Bref, après être soi-disant morte, elle reste encore 4 ans là, prisonnière, et donc elle est aux environs de 26, 27 ans. Elle arrive
à Arlon, et là, elle se marie. Elle se marie avec un mec qu'elle avait déjà connu, qu'elle avait déjà rencontré au mariage de Baudricourt, au moins 6 ans avant. Parce que c'était avant qu'elle ne parte de Domrémy pour aller délivrer. Donc c'était... ouais. Et elle avait repéré ce gars-là, c'était le chevalier des Armoises. Mmh. Voilà, Robert des Armoises. Et elle se marie avec lui. Et dans les actes, dans certains actes qui sont passés après, on verra le nom de Claude des Armoises, Pucelle de France. Alors, pourquoi Claude ? Ben, alors là, il y a deux choses. D'une part, parce que quand elle est née, on ne savait pas trop de quel genre était le bébé. C'est un truc assez beaucoup plus répandu qu'on ne croit. C'est pas une malformation, mais c'est une formation pas complète sexuellement. Qui fait que ça s'appelle l'intersexualité, c'est très, très courant, beaucoup plus qu'on imagine, et ça a toujours existé. Mm-hmm. Le problème, c'est que, évidemment, quand il s'agit d'un enfant dit bâtard, si c'est un prince qui est normalement formé, on l'élève comme un prince, comme les autres, et puis on lui donne des titres, des domaines, etc. Mais si c'est un enfant qui n'est pas très bien formé, c'est le résultat d'un adultère, on peut dire « Oh là là, c'est le diable qui les a punis, etc. » Donc on l'a planqué, le bébé, en l'occurrence Jeanne, chez des gens de confiance, Anne Rémy, Jeanne d'Arc et sa femme Isabelle Romée. Il ne s'appelait pas Romé d'ailleurs, il s'appelait je ne sais plus trop où, mais c'est Romé parce qu'elle avait fait le pèlerinage. Bon. En tout cas, ce bébé est arrivé au mois de janvier et certaines chroniques rapportent que les gens qui sont arrivés avec des torches et tout ça ont réveillé tout le pays. Pour amener le bébé. Pour amener le bébé. Et que les villageois s'étonnaient de voir le bébé. Alors, si effectivement les parents supposés avaient attendu ce bébé, bah, les gens, ils l'auraient vu depuis les 9 mois précédents, qu'ils l'auraient vu. Ils auraient vu comment Isabelle Romée grossir, hein, ça ne leur aurait pas étonné. Et là, ils ont été étonnés, donc c'est, effectivement, le bébé venait d'ailleurs. C'était une première chose. Donc, je disais, il y avait deux raisons. D'une part, parce que il y avait une incertitude au moment de sa naissance sur son sexe. Sur son sexe, oui. Et l'autre raison, c'est que... Je ne sais plus ce que je voulais, ce que j'étais en train de dire. Mais au moment où elle est, donc il y a incertitude ouais, sur son sexe. Oui, ça c'était la première raison. Et justement, en tant que fille, on pense qu'il y a eu... Ah oui, pourquoi elle s'appelait Claude ? Voilà, Claude. Voilà. Et bien c'est justement à cause de cette incertitude sur le sexe, parce que Claude est un prénom ambivalent. Oui. Voilà, et on l'a baptisé Claude. Comme ça, elle serait devenue une fille ou un garçon, ça ne changeait rien. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on l'appelait Jeanne ? Ben oui, mais ça, c'est aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que tous les grands maîtres de Sion, quel que soit leur prénom, se sont tous fait appeler Jean ou Jeanne, avec un numéro derrière, exactement comme les papes. D'accord. Ouais, Jean quelque chose, Jean... Voilà. Et donc, à mon avis, je ne sais pas si Jeanne était grand maître de Sion, mais elle aurait très certainement pu l'être. En tout cas, il a été, c'est sûr, éduqué dans ce sens-là. À mon sens, elle avait le rôle de grand maître. Et c'est pour ça que les armées lui obéissaient. Parce que les armées étaient composées pour beaucoup de Templiers, et qui savaient parfaitement qui elle était.
Mais alors, en plus, elle prend le nom d'Arc, quoi, pour faire hommage à... Non, elle n'a rien pris du tout. C'est, ah, c'est ça, c'est après qu'on a... Qu'on c'est a... un nom qu'on lui a attribué 25 ans après. 25 ans d'Arc. Après, d'accord. Elle était Pucelle de France. Pucelle de France. Voilà. Et c'est... on l'appelait la Pucelle d'Orléans, la fille du duc d'Orléans. C'était son nom. Bah oui, parce que c'était son père. Donc, alors, la Jeanne... Elle est, parce que ça, elle est, bon, je pense que quand même, il commence à comprendre qu'elle est élevée un peu en secret, parce qu'il y a un tabou quand même, le fait que ce soit l'enfant né de la fille de la reine, et entre guillemets, et du frère du roi. Oui, mais enfin, le roi lui-même était fou. Le roi, alors c'est le fameux roi fou, oui. Le roi Charles, on l'appelle Charles le Fol, d'ailleurs, Charles VI, était devenu fou, il avait des crises de démence, la reine avait eu la trouille, et ils avaient fait déjà domicile à part, plus que chambre à part, depuis 1394. La reine était encore une jolie femme, et elle avait déjà donné des enfants... légitime au roi, donc elle se disait, bon, après tout, maintenant, il y en a marre, hein, j'ai pas envie qu'il me tape sur la... s'il devient fou, bah, qu'il reste... moi, je veux plus avoir affaire à lui. Mais, comme elle était encore bien, et puis qu'elle avait encore des envies, bah, il y avait des seigneurs qui étaient pas mal. Et notamment, il y avait Louis, le frère du roi, qui lui était parfaitement sain d'esprit, hein, et puis le reste aussi. Donc... bah, elle a pris des amants, et notamment elle a pris celui-là, sans doute. Je ne sais pas si c'était le seul, on l'ignore. Il y a des tas de libelles, rumeurs, ouais. De libelles qui couraient dans Paris à ce moment-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que en 1403, naît un premier enfant adultérin. Ce sera... le dauphin Charles. Charles VII, le futur. Voilà, Charles VII. Le futur Charles VII. Et en 1407, en est un deuxième. Et il est très probable que ce deuxième ait été Jeanne. Ou, en l'occurrence, Claude, qui deviendra 20 ans plus tard Claude des Armoises. Parce que pour se marier, on n'utilise pas son nom de guerre, on utilise son prénom de baptême. Donc c'est bel et bien la même personne. Et aussi, Isabelle de Bavière, elle fait aussi, à la mort de son mari, il y a le fameux traité de Troyes aussi. C'est... Alors, oui, étant donné que le roi est fou, la France est gérée par un conseil auquel participent à la fois Louis d'Orléans et le duc de Bourgogne. Il y a donc une rivalité entre les deux. Et le duc de Bourgogne fait assassiner Louis d'Orléans 15 jours après la naissance du supposé bébé Jeanne. Et bon, à partir de là, bah, on est censé avaler toute l'histoire comme on nous la raconte, c'est-à-dire que bah, les Bourguignons se mettent avec les Anglais pour battre et puis récupérer la couronne de France à leur profit, enfin... C'est un peu confus. En fait, chacun tire un petit peu la couverture à soi.